Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors petit changement, il y a eu un petit changement là dans par rapport à l'épisode précédent, tout petit. En fait j'avais totalement oublié de prendre en compte qu'il me fallait de la résine. Comment on appelle ça? Résine de polymère, résine polymère. Et en fait je vais avoir 6 raffineries qui feront de la résine de polymère. Donc là je les ai retirées de la ligne, vous pouvez voir là c'est un peu plus long. En fait, c'est pas que c'est plus long, c'est qu'il y a 3 raffineries en moins. Donc j'ai 3 raffineries en moins pour le caoutchouc et 3 raffineries en moins pour le plastique, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 400 de plastique, 400 de caoutchouc, je vais être à 340 de chaque par minute. Ce qui reste, je pense, totalement suffisant. Et j'aurai une dernière rangée avec la résine de polymère. En soi, ça change rien. Enfin ça me fait pas plus consommer, ça me rajoute juste une petite... Ah si, ça va me changer un truc. Ah je viens de capter un truc. Le seul truc que ça va me changer, ça va être au niveau de l'alimentation de... En carburant là, en pétrole brut dans les raffineries là. Là je vais pas avoir. Là je m'étais simplifié on va dire la vie en disant bah là c'est facile, j'ai 2 arrivées donc divise par 2 mes 2 arrivées de 600 et là en fait ça va être un peu différent parce que je vais avoir en fait chaque rangée là va me consommer 510 et l'autre va me consommer 180. Bon. C'est pas bien grave en soi. C'est pas bien grave. Hop. J'aimerais bien garder la couleur de la pipeline là, sérieux. T'as pas le droit. Triste, sniff. Ouais, par contre. Ah, mais dis, j'ai du mal. Customiseur, modifié. Noir, noir. Donc ben c'est parti, on fera l'alimentation du bas un peu plus tard, ça sera un peu plus chiant à faire. Mais c'est pas très très... Là on va faire notre caoutchouc. Hop, donc caoutchouc comme ça hein, je crois, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, CTRL-V. C'est quand même bien l'amélioration des claviers. C'est là. Là je suis en train de voir là. J'appuie quand même sur 5 touches simultanément. Et il me semble qu'à l'époque, quand j'utilisais mon clavier, si je dépassais 3 ou 4 touches, ça aimait pas beaucoup. Hein. Ah là là. Je crois que ça fonctionnait pas. Hein. Sans plus long, en fait ça prenait en compte nos premières touches sur lesquelles qu'on utilisait et puis au bout d'un moment bah, ça prenait plus rien en compte. Voilà, si vous aussi avez connu ça, je pense que vous êtes comme ma bonne humeur. Ou alors des vieux de la vieille, au choix. Non, bon, les vieux de la vieille, faut pas déconner non plus, mais... Ah, pareil, le noir, il est dégueulasse, là, sur le béton. Oh, j'ai cru que je m'étais chié avec... j'avais coloré du béton, là, j'aurais été triste. Parce qu'il va retrouver le... À mon avis, il faudrait retirer le béton pour le remettre. Pour faire un truc propre. Ok. On va faire notre électricité avant de faire la sortie. Ah bon? Je me suis foiré. Ah, je me suis foiré. Oh, mais dis, ça fait 2 fois, tiens. Ah, je crois que c'est parce que j'oublie un clic en fait. Peut-être pour ça aussi. Alors j'ai regardé aussi un peu au niveau justement de ma consommation d'électricité. J'ai l'impression
un petit peu baissé. Donc ça a tendance à rester vers le 600, si je me... vers le 700, plutôt qu'à rester vers le 800. Bon, c'est pas encore terrible. soyons honnêtes plutôt. Là, si je vais voir un... si je vais regarder sur un poteau. Eh, même 500, hein. 6-500 là, eh, on est vraiment pas mal. Donc... tac, elle est... Donc on va tirer la pipeline. Ouais, ouais, je suis obligé de... Là c'est pareil, putain c'est chiant les coups des couleurs là. Je sais pas si je suis... Oh. Pas du tout. Et c'est pas du tout en bonne couleur en plus ça. Ah mais non. My bad. C'est que je suis pas du tout placé au bon endroit, ouais, effectivement. Je sens bien, je sens mal. Allez, on va prendre de la marge comme ça là. Ouais, c'est pas vrai, mon vieil. Je suis si nul que ça à l'œil. C'est bon là. Ouais, peut-être pris un peu fort en marge aussi là. Quoi que ça c'est prêt hein. Ouais, bon. Non, c'est vachement gros hein. On va faire comme ça. Et c'est reparti. Merde. Ah oui, c'est vrai qu'en bas là. Ça c'est du surplus là. 8. On va devoir alimenter là pour le début. Mettre ça. Essaye d'afficher les ça évite je pense du calcul de la part du jeu là pour afficher le taux de remplissage là des pipelines hein. Toujours pas renseigné si c'était féminin ou masculin, donc on va le mettre au pluriel. Voilà. Voilà, tout ça c'est notre alimentation. Impec. Hop là.
Ça qu'on va venir tirer ici et qu'on reverra plus tard, on retravaillera ça. Je vais essayer de lancer la prod là sur... Ça c'est pas très beau ça. C'est pas grave, sur le... La première rangée, d'accord, ok, stylé. On va voir ce que ça va faire. Hop, moi je vais tirer un câble là. Pour que ça soit sur la même. Ranger. Ici, pas de bêtises. Alors là par contre ça passera pas. Si j'en mets trop, ça va pas aimer. Là, ça donne quoi? Oui, on a eu le petit pic là, le temps de. Heureusement, ça peut le temps de mettre. Oh, quoique. Conso. Ouais, mais ça va augmenter. Ça va augmenter là avec les pompes derrière. En fait, c'est les pompes là qui se mettent en fonction là derrière. La vache, la prod de plastique là. Bon, au bout d'un moment, ça va vite s'arrêter en fait. Ça va très vite s'arrêter. Hop. C'est que là ça va se remplir en fait hein, des résidus de pétrole brut. Ça sort pour l'instant, ça se met là, ah ça remplit là. On a pu sortir beaucoup là. Hein ? C'est bizarre, ça remplit vachement là. On est déjà plein hein. On serait dedans là peut-être que ça se stocke. Bah, alors ils auraient changé la mécanique ? Non, j'ai l'impression que ça reste. Ça va finir par se remplir. Ouais, ça se remplit. Ça me paraît, plus... Bon, ça me paraît pas mal. Hein. Hop. Ok, là, on va faire les sorties. Là, j'ai les deux choses à faire. Hein. Ouais, c'est pareil. Même principe. Hein, ça fonctionne pareil. De toute façon, c'est un copier-coller en fait. Hein. J'ai pu faire copier-coller. Je vous avoue que j'aurais fait. Hein. Je me serais pas embêté. Copy-paste. Hop. Parce que franchement, tellement de similitudes. Ensuite, ah vous savez quoi, j'ai oublié de relancer le jeu, c'est pas grave. Customizer, là c'est modifié. Voilà. Je le fais comme ça. Parce que chaque fois je galère à aller... Pardon, quand les pipelines sont posés, j'ai galère à aller chercher la pipeline transversale. Fois d'affilée dit. Donc, hop, customizer, please. If you please. Je joue avec le feu là quand même. Hop, et on va faire le même principe que tout à l'heure, les regroupeurs, j'ai ce qu'il faut. Les groupeurs, je veux dire, ouais, j'ai l'air d'avoir ce qu'il faut. Deux convoyeurs, enfin que tout à l'heure que l'épisode d'avant, pardon.
Allez, please mon vieil là-haut, hein. C'est bon. Ok, là. Je me mélange les pinceaux là, j'ai du mal. Hein. Entre le MK3, le MK1. Comme étant trop loin. Bon, tant pis. Voyons. Répartiteur. Hop. Ah, j'ai peut-être un manqué. Ah bah oui, j'ai pas assez de poutre en acier, dommage. Oui, c'est ça que je voulais faire, conditionnement, et l'étape aussi, conditionnement des fluides, là. Voilà, je crois, en regardant tout ça, là. Est-ce que j'ai de l'acier, de l'acier, de l'acier, de l'acier, de l'acier, là j'en ai. 3, 4, 5, 6, 7, 37. Et, oh putain, de la tôle de cuivre. Ça devrait être bon, ça. Donc on va en profiter pour aller débloquer ça. Et je voulais voir aussi où est-ce qu'on a du MK2 en transport de fluide. Il me faut absolument le MK2 là, les pipelines de rang supplémentaire. Donc là, paf paf. Logistique MK2, MK4. Ouais. Milestone reached. Avoid the embarrassment of placing liquids in your pockets, only for them to spread across your suit. Package and unpackage them with the packager. Packaging fluids allows them to be transported in your inventory on conveyor belts and by vehicles. For increased non-pocket-related fluid storage, you can now use the industrial fluid buffer. Je le ferai peut-être à la main. En vrai, les cadres modulaires lourds. Est-ce que je veux vraiment en avoir besoin? Là, Ethereum, ça, je passerai là-dessus. Hein. Je passerai là-dessus, MK4 en plus. Ouais. Oui, je voulais voir aussi si j'ai des trucs qui sont intéressants là-dedans. Ouais, j'ai tout vidé. Oh. C'est pas grave. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que là on a produit tout ce qui nous tout ce qu'on pouvait produire en plastique. Alors regardez là au niveau des résidus de pétrole lourd, on est complet de partout, je suppose. Hein. Et ouais, on est complet de partout.
Hop. Donc là, ce que je vais faire. Si c'est bien. On est proche là, hein? Non? On est bien. On est très bien. C'est que je vais faire la sortie du. Du pétrole lourd là. Est-ce que c'est pétrole lourd? Ça va continuer à. Ça va me permettre de continuer à produire un peu de plastique de 1. Et de 2, en fait j'hésitais à alimenter le caoutchouc en même temps, mais je me suis dit que ça le ferait pas dès lors que j'agrandirais ces lignes. Donc dans un premier temps on va faire ça. Alors, oh merde, oh, c'est pas passé le dernier, dommage. Hein? Ah non, je me suis chié sur tout le long. Oh, terrible ça. Oh, jusqu'à où j'ai eu le problème? Ah, j'ai beaucoup trop collé, je sais pas ce que j'ai foutu, hein. Oh, putain, le deuxième était foiré, en fait. Terrible. Ah, oh, terrible ça. Tac, tac, tac. Ah, oh, ouais. Oh, la bourde. Ça, j'utilise la couleur là parce que en fait mine de rien l'erreur est vite arrivée quoi et ce serait pas cool de mélanger les fluides. Alors, je sais pas si c'est possible dans le jeu de les mélanger, je sais pas si vous avez vrai honnêtement. À mon avis ça bloquerait surtout notre circuit quoi. Dans tous les cas, ça bloquerait même ça. Il est passé lui? Non, il est pas passé du tout. Ouais, tiens, hop. Il était mélangé, je sais pas. Il est pas émongé, c'est quoi le problème là? Là par exemple, il y a un souci, je sais pas. Je sais pas à quoi il est lui. Ah, j'ai cru que j'avais une coupure. C'est lui qui déconne. Okay. C'est bizarre en vrai. On va mettre de la couleur. Putain les frises. Oh les frises, quand je mets de la couleur sur ça, c'est vraiment pas le moment. Ah c'est un coup à faire une connerie ça. Voilà. Là on entend là-haut ça produit, hein. Je sais pas si vous entendez. Ah ça produit sacrément putain. Enfin un sacré boucan. Hop, tout ça ça se remplit tranquille déjà. Ouais, ça se remplit vite. Et qu'est-ce que j'en fais de ça? Ah oh, mais non mais. Oh mon vieil. Donc j'en ai. Hein? Quoi? Non. Ouais, attendez, j'ai un petit problème de calcul là. Oui, parce que forcément, après, au niveau du carburant, bah, j'en ai beaucoup moins.
Ah oui, j'ai fait une saloperie d'erreur de calcul à la con. Coupe de pétrole, j'en ai vraiment besoin, ça. On s'en fout pour l'instant. Hein. Puis je pense que j'en aurai largement assez à la fin. Je fais 100. Celle-là, j'en ai 750. 100, ok, non, ça va être 120, c'est ça? 120, 140? Ok. Ah, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai mis combien? 450 de base? Ah, c'est juste mon calcul qui était foireux. Hein. En fait, là, à mon avis, il manque un 0. Et là, on est bon. 3. Quoi? Ah, c'est ça qui me produit. Oh, le polymère. Ah ouais. 300. Donc ça me fait 400 en fait. Ça m'a fait 400. Donc ça va me faire 400 de carburant. Et là, je dois être bon. Oh la vache! Ah, je vais avoir besoin de 20. 20 usines d'électricité là. Ah ouais, je vais encore produire encore plus. J'avais déjà prévu d'en produire beaucoup. Moi j'avais dit c'était 250. Ouais, ouais, je vais produire 5000. Oh, c'est bien. Oui, bon, c'est cool, c'est correct. Et là, avec ça, normalement, j'ai la production du plastique qui est à 170. Putain, quand même. 170, 160. Quoi? 170 là. Le caoutchouc, je peux pas voir comment il me produit lui. Ah, c'est un peu buggé là. Ah! Le caoutchouc, bah alors. Merde, j'ai un saloperie de bug. Allô, coucou, affiche-toi, mais. Bah. Bon, bah, l'ancienne méthode, hein, quand ça fonctionne pas, on prend la calculatrice. Bon, on prend rien du tout parce que ça veut pas apparemment. Merci. Donc on me disait j'ai combien de ça? J'ai 750. Ok. Moins 170 de la production de plastique, moins 240 de ma production de ça. What? Le caoutchouc, ça me produit 340 de résidus de pétrole lourd. Le caoutchouc produit plus de résidus de pétrole lourd apparemment. Attendez, on va voir ça. Tac. Un truc habituel là, ça fonctionne bien. Forcément là, ça a relancé un pouille à la prod de ça. Donc ça, ça me produit 10 par minute. Ah, et ça, ça me produit 20. Ok. Ok. Bah pourquoi pas? Oh, les calculs à la con là avec des chiffres là. Oh, c'est un peu chiant par contre. Non, c'est parce que je me tâte en vrai à faire de suite la prod d'électricité, mais en vrai je peux pas tant que j'ai pas le retour du caoutchouc, donc ça sert à rien. Bon là ça doit être vide, oui. Là. Ah oui, voilà. Fait que ça va vite. Je vais voir ma prod là actuellement. Ma cousson est tranquille et ça doit être la les pompes de pétrole qui se mettent en marche de temps en temps parce que j'ai l'impression que j'ai de temps en temps un peu de plastique qui arrive. Donc là forcément là j'ai alimenté tout ce bordel. Oui, donc là ça a dû augmenter un peu ma production, ma consommation, on peut dire, d'électricité.
Oui, ça se voit dessus. Oui. On a... Oh la vache. Ouais, on a les premiers caoutchoucs. Et tant mieux parce qu'il va m'en falloir pour améliorer la... Pour faire passer à la phase suivante. Oh la vache. Tant que ça. 340 par minute. Moi je peux... Oui, oui. Tant que ça remplit. Ouais, ouais, c'est pas déconnant. Toi tu tiens. Ah oui, bon, en plus, ouais. L'électricité, ça tient. Bah, je propose qu'on fasse la résine de polymère hein, sur le même. Pendant qu'on est sur la lancée. Là, au moins, c'est que 6. C'est beaucoup plus tranquille, entre guillemets. C'est 6 raffineries. Ah, bah, j'ai pile ce qu'il faut, impeccable. Tu me diras, je crois que je m'étais débrouillé au début pour faire ce qu'il fallait au niveau des moteurs. Comme quoi ça paye. Donc au début il y a 3 épisodes pour 2, 3, je sais plus. On est à combien? On a une demi-heure, je veux voir un truc. Ouais. Bon, on va se laisser pour ici pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu et moi je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. Voilà, on va séparer les productions, comme ça ce sera bien. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, je vous dis à la prochaine, c'était Tiob. Ciao.